Hey, c'est tout le monde, c'est Revonico, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WW2K16 et pour un tuto numéro 2. Et aujourd'hui, on va savoir, enfin, je vais vous montrer comment modifier les superstars, les tenues des superstars de la WWE. Parce que je sais qu'il y en a qui ne savent pas comment faire. En fait, c'est simple de modifier une tenue, par exemple, de Roman Reigns. Mais après, ce qui paraît, il y en a, on m'a dit qu'il y a des gens, ils savent pas comment je fais pour que la tenue soit carrément attribuée à la superstar Roman Reigns. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais au lieu d'utiliser la tenue pour catcher, au lieu d'utiliser la tenue que vous avez modifiée, ben, elle est carrément attribuée dans la superstar dans le jeu Roman Reigns. Donc, premièrement, vous allez dans création superstar et superstar diva WWE. Vous allez en bas, c'est là où vous voulez modifier la tenue de la superstar que vous voulez. Merci camion. Merci, on te voit tout le temps à peu près dans la vidéo, c'est pas très grave. Donc, par exemple, bah moi je vais le faire avec vous. On va prendre un petit exemple. Donc là, je vais choisir quelqu'un que je veux modifier sa tenue. Donc par exemple, bon, on va aller, bah, je sais pas, voilà, on va aller sur Batista par exemple. On va modifier sa tenue. Alors je vais la modifier en 2-2, hein, je vais pas faire 3000 trucs, juste son slip par exemple. Donc une fois que vous avez modifié la superstar que vous avez voulu modifier, enfin quand vous avez terminé votre modification, voilà, vous avez modèle de tenue. Bon, ça, modèle de tenue, c'est pour voir quelle tenue vous voulez. Et ce qui va nous intéresser, c'est info personnelle. Donc, dans info personnelle, vous avez tout. Vous avez réaction du public, mais ça sert strictement à rien d'y changer, je vous le dis tout de suite. Nous, notre importance, ça va être d'en utiliser comme une tenue alternative. Donc, ce que ça veut dire que si la tenue, utiliser la tenue comme tenue alternative, et oui, ça veut dire que pour choisir cette tenue, vous allez devoir aller sur la superstar Batista dans le menu de chargement, enfin, pour choisir vos superstars. Si vous mettez non, et ben, cette tenue ne sera pas prise en compte avec la superstar Batista quand on va le choisir tout à l'heure. Il sera par exemple, si c'est pas une tenue alternative, il sera dans ce superstar créé. Je pense que vous avez compris, j'espère. Donc, non, il sera dans superstar créé. Oui, ça sera la superstar Batista qu'il y a dans le jeu que Touquet a mis en place. Donc, une fois qu'on a fait ça, on accepte. Donc, on sauvegarde, ça sauvegarde le jeu. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez vraiment pas compris, si vous aurez mis non à la tenue alternative, vous aurez trouvé Batista ici. Comme, voilà, comme Roman Reigns, là il est en tenue alternative, enfin il n'est pas en tenue alternative, Roman Reigns. Et si je le mets en oui, et ben Roman Reigns sera là, on choisit Roman Reigns qui est en jeu, et cette tenue que j'aurais mis, il serait ici. Donc là, on va voir Batista, et là comme vous voyez, marqué tenue alternative. Je n'ai pas modifié le nom que j'ai mis tout à l'heure. Donc après, c'est vous qui choisissez le nom que vous voulez. Vous pouvez mettre blanc, white ou un truc comme ça. Donc tenue alternative, on clique. Non. On choisit sa superstar. Attendez, voilà, m'en fous. Et après, on lance le match. Et je vous retrouve tout de suite et je vous montrer in-game, enfin en jeu. Et on se retrouve, comme je vous l'ai dit, regardez. Voilà, Batista, et avec la tenue que je viens de créer tout à l'heure, avec le slip blanc. Donc c'est vraiment si simple. Bon, c'était un tout petit tuto, mais bon, vu qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit comment tu fais, ben là, je vous le montre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si cette aide t'a aidé. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur 2K16. Allez, moi je te dis à la fois prochaine. Ciao !